L'abeille, c'est un symbole historique de la maison, un symbole qui est au-delà de simplement un symbole impérial. C'est celui de sentinelle de la biodiversité, de l'environnement. Donc, c'est pour nous aussi le symbole des fleurs, le symbole de la création de la vie. Donc, c'est quelque chose qui nous a toujours beaucoup animé. En tous les cas, dans le domaine de la cosmétique, c'est le produit de l'abeille, un élément que nous avons découvert comme étant extrêmement cicatrisant. Donc, c'était l'origine du projet qui a déclenché une ligne de soins à partir du produit de l'abeille. Et puis au-delà de ça, c'est de se dire, mais il y a sans doute autre chose à faire, donc développer une filière qui soit une filière d'accompagnement, de protection de l'environnement de l'abeille. Et ça fait écho à un lancement dans la maison Guerlain. La maison Guerlain qui a déjà créé plus de 300 parfums depuis sa création, Chalimar, Jardin de Bagatelle, Habit Rouge pour les hommes, La Petite Robe Noire dont on parle beaucoup en ce moment. Et puis là, vous lancez la marque Chaling. La maison Guerlain est incubateur de ce projet-là. Mais le projet qui est une nouvelle maison n'est pas une activité de Guerlain. Il faut considérer que l'incubateur apporte des compétences, une bienveillance, des outils. C'est une maison qui est déjà indépendante de Guerlain, mais qui a besoin de la bienveillance parce que des nouvelles maisons qui se créent dans notre industrie, ça existe extrêmement rarement et qu'il faut bien aussi beaucoup de bienveillance pour pouvoir la lancer, la faire marcher. La naissance même de cette aventure vient d'un rêve écologique. Cette marque Schelling, qui signifie littéralement l'esprit du thé, hein, c'est-à-dire c'est pas seulement le thé cosmétique, c'est l'esprit qui est associé à ce thé qui est un thé culturel, un thé qui est millénaire. Et la grande valeur de ce thé, qui n'est pas tous les thés, c'est le meilleur des thés pour un produit cosmétique qu'on appelle le thé pu-erh, parce qu'on a vérifié que par rapport à tous les autres thés, les molécules antioxydantes qui nous intéressent étaient les meilleures. Et l'autre élément que je mettrais en abîme, en correspondance, et si je vais peut-être utiliser un mot en anglais, ce sera plus simple, c'est green. Donc elle a vocation à être la meilleure proposition green et détox du marché. Un projet comme celui-là est extrêmement fragile. Un projet comme celui-ci est également soumis à une compétition qui est rude. C'est une start-up pour l'entreprise. Donc il y a une petite équipe qui travaille, elle a besoin d'aide. Voilà. Et la vocation de Guerlain, c'est vraiment d'aider dans tout ce qui est l'environnement à ce que cette jeune pousse puisse passer à l'état de commercialisation, ce qui est le cas maintenant depuis quelques mois, puisque Chaling a ouvert en fait un point de vente en France et un point de vente également à Hong Kong. Nous apprêtons à ouvrir en Chine. Et fera rayonner cette idée que nous pouvons mettre en correspondance le meilleur de deux mondes, celui de la Chine et de sa culture, et de son patrimoine exceptionnel qui est celui du thé pu-erh, des forêts millénaires, et la culture qui est celle de la France, qui vient en fait valoriser cette culture chinoise et apportant ses compétences en matière de développement, en matière d'esprit de luxe, et là je mets en phase évidemment non seulement Guerlain mais également LVMH. Ce que nous avons en commun, le luxe et le développement durable, c'est le temps. Hein, le temps compte dans l'activité de luxe, le temps compte dans le temps durable, et c'est bel et bien ce qui fera le lien entre les deux sujets.